Et bonjour à tous, bonjour et bienvenue pour ce premier numéro de cette nouvelle saison d'F1 Simulate Lap avec ce premier numéro donc en Australie évidemment, la manche inaugurale habituelle sur le circuit de l'Albert Park qu'on découvre avec cette petite animation très sympa hein, fournie par le jeu qui est l'animation officielle de la F1. On découvre donc les 16 virages de ce circuit, les deux zones DRS avec une petite particularité, la zone de détection qui est très très loin quand même de la première zone DRS. On y reviendra un petit peu plus tard. On va regarder tout de suite le tour à vitesse réelle et on analyse ça juste après. C'est parti! Alors, nous voilà donc dans le dernier virage d'un tour qui est rapide. Donc, c'est pas forcément la meilleure préparation possible. Cela dit, en général, si ce tour n'est pas raté et que le virage n'est pas raté, ça offre quand même une très très bonne sortie puisque la ligne de départ arrivée est assez loin du virage. Donc, même que vous soyez sur un tour rapide ou un tour de préparation, le but est le même, c'est quand même de sortir avec le plus de vitesse possible. Donc, ça a été plutôt le cas ici. Une sortie tout à fait correcte. On active le DRS sitôt la ligne franchie, donc petite différence par rapport à l'année dernière, c'est que on ne peut plus activer le DRS, je veux dire appuyer sur le bouton avant la ligne et laisser faire les choses. Là, il faut attendre d'avoir passé la ligne, donc c'est un petit challenge du coup d'appuyer le plus vite possible, mais sans se faire avoir. C'est jamais évident quand même, parce que quand on veut jouer un petit peu trop filon, on se fait avoir. Donc c'est parti pour ce hot lap en Australie. Et première chose à dire avant même de commencer, gros changement par rapport à l'année dernière où j'ai passé 21 courses à dire qu'il fallait éviter les vibreurs. Dieu merci, cette année on retrouve un jeu qui est beaucoup plus sympa, beaucoup plus proche de la réalité, puisque les vibreurs, pour la plupart, il va falloir aller les chercher si on veut gagner du temps, ou en tout cas pas en perdre. Donc ça c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Alors on commence tout de suite avec ce premier virage, virage numéro 1. Comme d'habitude ici, il faut essayer de. C'est une chicane rapide avec le gauche qui est très 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 ouvert, puisqu'on va le prendre à fond, à condition d'avoir très bien pris le droite avant. Il ne faut pas embarquer trop de vitesse dans ce premier droite, c'est absolument pas le but. Il faut freiner tôt pour bien soigner la sortie. Donc on cède des panneaux orange qui sont accrochés sur le grillage à gauche. On freine à peu près à 100 mètres. On descend en cinquième, pas en dessous. En cinquième, ça passe très très bien. Après, ça dépend avec quel aéro vous avez, évidemment. Mais cinquième, normalement, ça doit pouvoir passer un peu avec tout. Et on s'applique à bien prendre la corde, pas accélérer trop fort pour pas se retrouver complètement embarqué sur le vibreur à gauche. Déjà parce qu'il faut pas sortir des limites de la piste. Et puis ensuite, petite particularité quand même, c'est que l'astroteur fait perdre du temps. Hein. Ça, c'est une certitude. En général, les vibreurs, la partie verte et blanche, et puis sur les autres circuits, rouge et blanche, sur la plupart des circuits en tout cas, ne fait pas perdre de temps. Par contre, l'astroturf, vous ferez attention, si vous amusez à aller dessus, ça vous fait très très mal au delta quand même. Hein. Donc, à prendre en compte. Il faut essayer de monter dessus quand il y a besoin, quand on a dans un virage où on a besoin de garder de la vitesse. Par contre, certains, il va falloir les éviter ou en tout cas s'en éloigner le plus vite possible. Alors là, c'est un petit coup de chance, c'est que j'ai failli la perdre en fait. On le voit pas très bien sur le tour, mais j'ai eu
J'ai eu peur de la perte, de glisser. Et ça m'a éloigné très très vite de cette partie AstroTurf. Et du coup, ça m'a donné une super accélération. Donc c'était un mal pour un bien. Donc là, on voit que la sortie est bonne et le delta est meilleur que les tours d'avant. Et c'était en grande partie dû au fait que je ne suis pas resté sur l'AstroTurf. Donc évidemment, ici, le vibreur à droite, bon, on n'essaie de pas le toucher. Après, on peut monter sur la partie verte et blanche sans problème. Mais pareil, on évite l'AstroTurf à côté. Clairement ici en plus c'est vraiment du luxe, il n'y a pas besoin d'aller dessus. Et on arrive sur le virage numéro 3. Donc ici le premier gros freinage hein, quand même, on va tomber jusqu'en troisième. On va faire attention de pas se souvirer, de pas freiner trop tard. On a des voitures qui ont beaucoup de grip, mais quand même il faut pas non plus exagérer. Et après il faut quand même penser qu'il faut préparer un gauche qui arrive assez vite. Donc si vous rentrez avec trop de vitesse et que vous ressortez un petit peu trop à gauche de ce virage, vous allez être en difficulté pour le gauche suivant, vous n'allez pas avoir assez d'angle. Donc il faut garder en tête de ne pas ressortir complètement à gauche. Donc là c'est très bien fait, donc on est à la corde, on peut peut-être monter sur le vibreur mais ça change pas grand-chose. Et regardez, on sort pas complètement à gauche de la piste, il reste un peu de marge et surtout on s'en éloigne très très vite pour aller se placer pour ce gauche le mieux possible. Donc on va prendre en cinquième, il faut rester assez neutre ici, pas s'emballer parce qu'on a très très vite fait de garder trop de vitesse et de sortir de la ligne. C'est un virage qui est quand même assez serré. On croit toujours que ça va passer. Puis on se retrouve rejeté sur cette petite chose dégueulasse, là, ce petit rondin vert et blanc. Alors celui-là, si vous le touchez, en général, le tour est terminé. Parce que vous allez perdre vraiment du temps pour contrôler la voiture. Il va falloir être doux avec l'accélération. Donc vraiment, il ne faut pas le toucher. C'est la limite de la piste. Hein. Ça, clairement, votre pneu droit, il doit... jamais s'appuyer dessus, il faut essayer de rester à gauche. Donc là c'est parfait, on peut accélérer très fort. Ce virage complètement à fond bien sûr. On évite l'AstroTurf qui est à gauche, ça impératif évidemment. On arrive sur un virage que je trouve très sympa parce qu'il est extrêmement rythmé et pour le coup il est un petit peu raté hein, dans ce tour qui est par ailleurs très très bon puisque le chrono est vraiment très beau, une 21.596. Mais il y a ce virage qui aurait pu être un petit peu mieux pris. Le placement est parfait, hein, donc on se décale un petit peu à droite pour arriver droit sur ce virage, parce qu'il y a une légère courbe à gauche là, donc faut pas rester complètement collé à gauche, sinon vous allez devoir freiner en ayant le volant braqué. Donc on arrive le plus droit possible, on freine, on va chercher la quatrième, et là, petit sous-virage quand même, parce que le vibreur est à peine touché, alors qu'on peut vraiment clairement monter dessus. Donc là, il y a eu une petite erreur de commise. Donc voilà, la trajectoire idéale, c'est d'être un petit peu plus à droite, hein, 50 cm à droite, ça va très bien. Et là, on peut accélérer très fort dans ce virage. Et il fait partie des virages où, eh bien, l'AstroTurf, il faut quand même l'utiliser. Parce que clairement, là, si vous voulez éviter cet AstroTurf, il va falloir vraiment ralentir trop. Et vous allez vraiment trop perdre de temps dans le virage par rapport à ce que vous allez en gagner à l'accélération. Donc clairement, ici, il faut monter dessus. Et puis bah pas rester trop longtemps, mais de toute manière on peut pas parce que derrière c'est de l'herbe, donc pas grand chose à dire là-dessus. Exploitation maximale des limites de la piste, essayer de le prendre avec le plus de vitesse possible en accélérant fort. Courbe à gauche évidemment complètement à fond, rien à dire là-dessus. Et on arrive sur un virage important puisqu'il lance la grande ligne droite de retour hein, qui donne après sur le pif paf. Donc ici il faut sortir avec de la vitesse, donc virage qui est vraiment impressionnant dans ce tour. Même si le delta a simplement été amélioré de 3 centièmes par rapport au tour précédent, mais il devait être certainement très bon aussi. On croit que le virage va pas être négocié tellement le freinage a été tardif. Ça a été très très chaud. Donc on va le prendre en quatrième ce virage. On va freiner un petit peu après le panneau 100 mètres. Et donc particularité ici, c'est qu'il y a un rondin à la corde. Donc lui, absolument obligatoire de ne pas le toucher parce que vous allez là aussi décoller un petit peu. C'est pas trop violent, mais ça fait du mal à un tour. Donc, vraiment en qualif, quand vous allez chercher la pole, il faut pas le toucher, mais il faut en passer le plus près possible. Et là, en général, on essaie d'accélérer quand même assez tôt, mais pour le coup, il a quand même fallu retarder un petit peu l'accélération parce que le freinage était tellement tard que sinon le virage, je pense que jamais je l'aurais pu le prendre. Donc, là, exploitation maximale des limites de la piste, donc pareil. On est sur quelque chose d'extrêmement différent par rapport à l'année dernière. Si vous retournez voir l'autre lap de l'année dernière, bon, j'ai pas été vérifié, mais je suis quasiment certain qu'ici on touchait même pas le vibreur vert et jaune. On restait entièrement sur le bitume pour avoir une accélération parfaite. Alors que là, on est sur quelque chose de complètement différent. C'est attaque maximale. On a les roues de gauche qui sont pratiquement dans l'herbe, les roues de droite qui frôlent la ligne jaune.
Bon, c'est magnifique, quoi. C'est beaucoup plus sympa que l'année dernière, ça c'est sûr. Donc, bon, si vous prenez un petit peu plus de marge, c'est quand même pas plus mal, hein, parce que là, clairement, on a été au bout du bout. Très dangereux d'accélérer aussi fort, quand même, autant sur l'AstroTurf. Et en général, quand même, ce mur à droite, là, il n'est pas très dangereux à la sortie. Et là, on voit que j'ai tellement été rejeté à l'extérieur que j'ai quand même été obligé de braquer quasiment jusqu'au bout pour ne pas toucher ce petit mur-là. Qui évidemment ferait très mal autour et puis à l'aileron. Voilà, mais bon, en tout cas, un très bon virage avec une bonne vitesse de pointe. Hein. Le delta est conservé, voire légèrement mieux que le tour précédent. Et on arrive sur le pif-paf, donc là, bah, virage de fou, tout simplement, avec le nouveau règlement, l'aérodynamique qui a été améliorée, la largeur des pneus aussi. On peut le prendre à une vitesse complètement folle. Faut juste quand même ralentir un petit peu sur le premier gauche, on peut vérifier. Normalement, voilà, un petit coup de frein très très bref, hein. Faut vraiment pas freiner longtemps. C'est une piche nette sur la pédale pour pouvoir juste ralentir la voiture un tout petit peu pour ne pas rentrer avec trop de vitesse dans ce gauche et se retrouver rejeté au milieu de la piste. Donc là, c'est parfait parce que d'ailleurs, c'est là, je crois que j'ai pris le maximum de temps par rapport au tour précédent. La corde, elle est parfaitement prise. Et surtout, regardez, la voiture, elle ne dépasse même pas elle est à peu près au tiers de la piste. Elle dépasse pas cette limite-là. Ça veut dire que le droite, après, on peut le prendre à fond. Regardez, on est à fond déjà sur l'accélérateur et on va y rester complètement. Il va pas y avoir un seul moment de relâchement parce que la ligne, elle est parfaite et on le sent quand on peut y aller. Et là, clairement, c'était le cas. Donc, le droite, quand c'est comme ça, c'est une formalité. Et on sort. Donc là aussi, on évite un peu l'AstroTurf. Et là, regardez le delta, il s'envole complètement parce que vraiment, la ligne a été parfaite. L'accélération, elle a été faite très tôt à fond. On n'a pas relâché. Et là, vraiment beaucoup de temps de gagner. Mais pour ça, il faut quand même garder en tête que le gauche, il faut mettre un petit coup de frein. N'essayez pas de le prendre à fond, n'essayez pas de garder trop de vitesse parce que vous allez le perdre sur le droite et le perdre jusque le virage suivant. Donc, vraiment important de garder ça en tête quand on arrive sur ce pif-paf. On arrive donc bientôt à la fin du tour avec ce 90 degrés à droite. Pas forcément, ça c'est pas un virage compliqué, mais il est pas non plus évident à prendre. Quand on a passé le pif-paf, on a l'impression qu'on a fait le plus dur parce que malgré tout, c'est le pif-paf qui donne beaucoup sur le chrono. Mais il faut quand même finir le tour et c'est pas évident. Ici, on peut pas trop monter à la corde parce que l'herbe va faire perdre un petit peu d'adhérence à la voiture. Donc il faut monter sur ce vibreur qui derrière se termine quand même par de l'herbe. C'est très bizarrement fichu ce virage. Et on essaie de bien accélérer. Donc là, l'AstroTurf, vous voyez que bon, quand c'est comme ça, il faut monter dessus, on est obligé de le toucher. C'est pas un problème, de toute façon, on n'y reste pas longtemps et la ligne droite est très courte, donc ça fait pas perdre de vitesse. Donc là, le virage est passé proprement, mais pas non plus de manière ultra impressionnante. Par contre, le suivant, il est magnifique parce que si vous jetez un œil au coup de volant qui a été mis pour rentrer, la voiture, elle est restée sur des rails. Donc là, c'est vraiment. Je suis surpris d'ailleurs qu'elle est tenue comme ça. Donc en sixième. Donc inscription dans la courbe de manière très vive et voilà là si vous le plus dur ici en général c'est d'accrocher la corde parfaitement parce que on a le soleil qui est quand même un petit peu gênant, on n'a pas beaucoup de temps pour le préparer compte tenu du virage précédent et on a tendance parfois à braquer un peu trop tard, surtout que c'est pas un freinage ici, là faut pas toucher à la pédale de frein, il faut passer en sixième sur l'élan, juste ralentir pour pouvoir donner un coup de volant qui soit vif et qui inscrive bien la voiture. Mais c'est toujours très compliqué quand il n'y a pas de freinage de tourner au bon moment. Là, ça a été parfait, donc on est au maximum à la corde possible, parce qu'il ne faut pas toucher l'herbe non plus ici. Donc là, c'est très très bien, on est posé dessus. La moitié de la roue est sur l'herbe, mais je pense qu'elle ne touche pas, puisque les roues sont inclinées vers l'intérieur. Et là, c'est parfait, du coup, regardez la jauge d'accélérateur, quand on sent qu'on est dans la bonne ligne, et bien on les reprend les gaz et on ne fait pas semblant, on est à fond et on ne relâche pas. Parce que la voiture a du grip, il faut connaître parfaitement les limites de la piste, bien sûr, pour avoir confiance. Mais voilà, il y a de la place pour sortir sur ce vibreur, cet AstroTurf, donc c'est parfait. Et là aussi, on se dépêche vraiment de revenir côté droit pour cette épingle, parce qu'elle arrive très 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 vite. Donc, bon, en général, on peut rester en sixième. Hein. La septième, elle sert vraiment à rien. Rester en sixième, c'est tout aussi bien. Et on essaie de pas bloquer la roue. C'est le seul virage où vraiment la roue peut bloquer, avec peut-être aussi le virage numéro 3. Bon, bah, pas grand-chose à dire. Il faut simplement la négocier le mieux possible. Et quand on a fait un bon tour, ne pas prendre un risque peut-être fou ici, bon,
serait dommage de tout perdre pour gagner 3 centièmes. Voilà, essayer de bien le passer et surtout de préparer correctement le dernier droite qui est bien plus difficile et qui peut vous faire perdre vraiment du temps si vous êtes mal placé. Voilà, donc 4e, 5e et ici, on peut pas le prendre à fond. Par contre, on peut quand même garder beaucoup de vitesse et bon, peut-être là sur ce tour, j'ai toujours gardé un petit peu de prise sur l'accélérateur, mais il m'arrive aussi de temps en temps de relâcher complètement. Mais je me rends compte en même temps que vous en faisant le hot lap que apparemment c'est mieux de pas relâcher complètement, donc j'essaierai de m'en servir lundi soir. Voilà, regardez l'accélérateur, il y a toujours ce petit système de pompage, donc ça c'est chacun qui l'utilise comme il veut, mais si vous regardez l'accélérateur, c'est très amusant. Ça accélère, ça reprend, ça accélère, ça reprend, juste pour vérifier que le grip est toujours là et pour conserver la vitesse. Voilà, si vous voyez que la voiture ne bouge pas quand vous mettez un petit coup d'accélérateur, c'est qu'elle est bien sur des rails, et vous pouvez maintenir et puis c'est parti pour l'accélération finale. Et donc là, pareil, on sort sur le vibreur, on s'en éloigne après le plus vite possible, le DRS, on l'oublie pas, et on va jusqu'à la ligne avec une 21-596 qui est vraiment un très très bon tour. Qui a été réalisé il y a une semaine et qui personnellement je m'en suis jamais réapproché, je suis toujours à 2-3 dixièmes maintenant. Donc c'est vraiment un très beau tour. Il y a pas une petite erreur, je sais pas quel numéro de virage, mais où j'ai parlé de sous-virage tout à l'heure. Sinon, c'est vraiment un tour qui est proche de la perfection, je pense. Donc voilà. J'espère que ça vous aura aidé pour ce premier numéro et on se retrouve très très vite dans une semaine pour le prochain Grand Prix. Salut à tous!